Salut à toutes et tous, c'est Vincent, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Division 2 pour une présentation de Steph Cogniard. Alors, on va le présenter tel quel, donc en 4 pièces, holster, veste, gants et sac avec un masque coyote et Fenris, et on va jouer au caméléon qui est pour moi, voilà, en ce moment je joue qu'avec elle parce que ça fait très mal. Donc on va peut-être pas prendre la CS12. On va essayer de prendre une autre arme. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Allez, je vais prendre l'appartement pour déjà continuer à. Donc le striker, bah, vous savez tout ce que c'est, hein, maniement d'armes, cadence de tir, amplification du striker. Les tirs réussis augmentent le total de dégâts d'armes 0,65%. C'est bonus cumulable. Jusqu'à 100 fois un cumul perdu de 0 à 50. Un cumul perdu par seconde, excusez-moi, de 0 à 50, et 2 cumuls perdus par seconde entre 50 et 100. Le talent du Thor, c'est lui augmente le nombre de max de bonus cumulables du striker de 100, de 100 à 200. 3 cumuls perdus par seconde entre 100 et 200. J'ai mis un masque coyote qui vous donne du 25% de dégâts critiques de 0 à 15 mètres, 15 à 25 mètres, 10% de critique et 10% de proba, et plus de 25 mètres, 25% de proba. J'ai mis un holster Fenris, un genouillère Fenris, pardon, avec 10% de dégâts de d'assaut, et on va le jouer avec le caméléon. Honnêtement, je pense que ça va découper sec, mais bon, il va falloir la jouer assez safe parce que on n'a pas d'armure. J'ai voulu le tester en full rouge, donc on va voir ce que ça donne. Ici c'est quoi? Une prime. Ok, et ben on va y aller. Hop. Ok, c'est ici. On va voir ce que ça donne. Et honnêtement, vous n'allez pas être déçus. Donc c'est des infos que j'ai eues. Hein, de 2-3 personnes qui le jouent comme ça. Et ils m'ont dit, essaye-le comme ça, tu vas voir. Mais bon, il faut la jouer tranquille. Donc c'est pour ça que j'ai pris une ruche Réa. Target near you. Donc pour dire de comme je connais pas, j'ai pris une ruche Réa, on verra ce que ça donne. Justement, il y a un gros, on va le tester. Laissez-le faire. On va rester au contact. C'est pas grave. Voilà, c'est ce que je voulais, la bonbonne. Voilà. Hop. On est badger, dommage. Allez, hop, on continue. Vous avez vu, heureusement que j'ai mis un petit mode de protection pour élimination. Sinon j'étais mal. Hop. On
Donc je pense qu'avec un bon healer, en héroïque, ça peut passer crème. Bon là il dort un gros quête part, donc forcément j'ai pas de régène. Hop. On entend bien sa ruche, hein. Hop. Alors, ils sont où? Ils sont où? Ok, ils sont là-bas. Regardez, ils sont tous en train de camper. Regardez, regardez. S'occuper des rouges avant. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué de monter le striker, forcément. Bon, c'est pour ça qu'il faut garder le petit drone heal. On va se mettre là, on va essayer de faire un serpent dans le dos. C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai voulu jouer au grand, c'est pas grave. C'est chaud, hein. Ouh. Alors certes, oui, ça pique, mais là je l'ai bien senti aussi. Allez, on va aller tester ça en point de contrôle. Get to the nest. Target down. Good job. That's another one down. Good job, agent. N'oubliez pas que demain, c'est la balle d'or demain. Voilà. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la saison a été repoussée. Si vous le savez, si vous suivez Altice et tout. Vous avez dû voir que c'était repoussé. Mais bon, malheureusement, il fallait s'y attendre, comme d'hab. Donc, s'ils veulent nous... Donc, s'ils veulent se faire pardonner, hein, bah, c'est très simple. Ils nous laissent à Baldur jusqu'à la fin. Non, je rigole. Allez. Hop, mais c'est vrai que la balle d'or, ça va être du n'importe quoi. Moi, j'adore. Et bon, c'est vrai que des fois, ça, présentation de stuff, c'est un peu compliqué la balle d'or parce que ça cheat. Hein. Mais bon, on va se marrer. Et je, franchement, sur mes prochaines vidéos, je laisserai quand même. Allez, du coup, on va déclencher ici en sachant que, bah voilà, on va prendre ce qu'il y a là et on va se mettre au coin. Hop. On va pas les attaquer de face hein, parce que avec le minigun, c'est pas la peine. Regardez, ils sont déjà partis tous dessus. Laissez-le mettre sa tourelle. Voilà. Hop, lui il va descendre. Eh, de où? Mais de où j'ai pris une balle? Ouais, Nyx, c'est mort, va, ils étaient derrière. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Ah, je te jure, hein. Putain, mais vraiment, quoi. Alors ça, c'était prévisible, hein. Le stuff, je le connais pas, donc forcément, c'était sûr que j'allais tomber, moi qui déteste jouer sans armure. Mais c'est pas grave. Ils veulent la jouer comme ça, on va la jouer comme ça, tu vas voir.
Moi, je vais monter directement là-bas au minigun. Hop. Voilà, comme ça, je vais avec eux. Voilà, laissez-le faire. En plus, il se permet d'être... espèce de couillon, là. Ah, tu fais moins ton malin, toi. Tout à l'heure, tu m'as pris par derrière, espèce de couillon. Et lui aussi, là. Là, je suis dans le mauvais spawn hein, parce que s'il se respawn derrière, je suis mort. Il est encore parti au minigun, c'est une blague? Oh, et vous avez vu comment il disparaît? Bon, hop. Il y en a marre de ces putains de campeurs de merde. Tiens, va crever, toi. Laissez-le faire. Le but du jeu, c'est de mettre le striker en route. Voilà, en plus, c'est un gros, c'est parfait. Si je mets un kit, je vais pas mettre de kit. On va le coller ici. Pas comme eux, hein. Hop. Oh, oh. Ah, y'aura réussi, hein. Ah, attends, la bombe, là, je vais l'enlever. Ouais, prenez-le, le minigun, bande d'abrutis, va. Ouais, hop, on va laisser venir. Eh ben. Laissez-le venir, le pompe. Parfait, c'est ce que je voulais. Doc Billings has been moved to the True Sun's broadcast outpost. Sokolov is putting him on the radio. What the hell is she doing? Donc certes, certes, je dis bien certes, ça tabasse. Mais par contre, il va falloir faire très attention. Supply room.
Access unlocked. Il va falloir traîner, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Je réfléchis en même temps. Parce que eux, ils le jouent avec la Saint-Elme. Moi, je l'ai pas avec ce compte-là. On va essayer un coup Eagle Bearer. Hop. La caisse, j'irai pas. On va essayer d'aller faire le point de contrôle, le convoi de ressources. Et après, je déco. C'est déjà 5 heures. Bah, je sais pas si j'aurai le convoi. Mais bon, c'est pas grave, on va courir, on va courir. Hop. Je pense pas que je l'aurai. Hop. Mais je pense que l'Eagle Bearer, elle peut faire mal quand même. A voir. En plus, il y a les Troussans à côté. Quoi, il a disparu? C'est une blague. Juste devant mon nez, quoi. Bon, c'est pas grave. Hop, on va aller faire celui-ci. Ah, mais de toute façon, c'est sûr, hein, sans armure. Ah, regardez le cerf. Bon, on va aller le faire sortir parce que lui, ce connard, il va rester là, il va pas bouger. Ah, allez. Ouah, wow, j'ai pris une balle. Voilà. Incoming hostiles detected. C'est pas grave. On va déclencher le convoi. Hop. Bah alors, tu fais moi le malin là. Faut faire gaffe. Hop. Mais heureusement que j'ai un petit mode de protection pour émination, hein, parce que sinon. Allez, on va aller le voir un petit peu. Incoming hostiles detected. Je peux vous dire que l'Eagle Bearer, elle fait vachement mal. Pouh. Voilà les amis, ben, vous m'en direz des nouvelles. J'attends vos retours. Hop, on va prendre la petite clé. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et donc dans 17h la balle d'or. Ah, j'ai hâte. Hostile broadcast detected. Voilà, donc si vous avez des idées de stuff, hein, comme d'hab, vous le savez, vous me faites parvenir vos idées, moi je le teste. Et ce sera avec un grand plaisir de mettre votre nom, votre pseudo en titre de vidéo avec votre stuff. Allez, on ramasse ça. Dommage. Allez,
Bonne fin d'après-midi à tous, amusez-vous bien, je vous dis à demain les amis, ciao, bye, bye.